se lever à 7h du matin durant le mois d'août pour aller à l'école, pendant que tes parents sont en vacances. Ça, c'est la pire chose pour un étudiant. Évidemment, je suis de la seule école qui va imposer un rattrapage scolaire durant les grandes vacances pour les personnes qui ont raté leur examen. J'imagine déjà mes parents seront relax, leur verre à la main en train de rigoler en pensant à moi qui étudie. Ou censé étudier. Deux de mes amis sont aussi à rattrapage. De plus, on pratique le Vovinam tous les trois, le vendredi et le samedi. Heureusement que j'ai un peu de sport à faire sur le côté. Enfin, certaines personnes vous diront que ce n'est pas un sport mais un art martial, car il paraîtrait que ce que l'on apprend dans un art martial devrait nous servir toute notre vie et pas forcément que dans les épreuves physiques. Après, ça c'est la théorie. Par contre, pour la pratique, c'est pas pareil. Ah oui, avant que je n'oublie, je m'appelle Lucas et j'ai 19 ans. C'est pas ton. Salut. T'as du talent ou quoi? Pourquoi tu restes avec ces paumés, ces ragas? Tu devrais venir avec nous, avec moi. Bouge, Grégory. Jamais je serai avec toi. T'es seulement appauvri par manque de sexe. Je m'en fous. Tôt ou tard, tu seras à moi. Pour qui il se prend, ceux-là? Je pensais que t'aurais répondu quoi? Oh oui, bien sûr, mon beau et tendre Grégory, je suis tout à toi. J'en sais rien. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il m'intéresse pas du tout. Je déteste ce genre de personne, rien pour moi. Rien pour toi? Et c'est quoi ton genre idéal? Oh, bah, je suis pas compliquée. Une personne qui me surprenne, qui soit pas habile lui-même, qui ait confiance en lui, et qui me fasse surtout rire. Laura, il y a Camille qui te regarde avec insistance depuis que Grégory a fait le beau devant toi. Ben voilà, si c'est pas là, c'est l'autre. Je fais quoi, moi, maintenant? Laisse tomber, ça leur passera. Ouais, enfin, on y va? Je te dérange pas? Tu continues comme ça, je te démonte, ça va? Arrête de tourner autour de lui! Laisse tomber, ça va lui passer! Allô, Laura? Je suis désolé, je n'ai pas vu tes messages ni tes appels. Mon GSM est en mode silencieux et... Et prochaine fois, enlève ton mode silencieux. Camille, n'arrête pas de m'envoyer des messages sur Facebook. Et je suis dans la merde. Mais pourquoi elle t'harcèle comme ça? Bah, à ton avis, à cause de Grégory qui est venu me trouver tout à l'heure. Elle pense que moi, tu te retrouves de lui. Mais tu ne tournes pas autour de lui, c'est l'inverse. Bah oui, lui on le sait, mais elle part. J'ai beau lui dire, elle comprend rien. Je sais pas, moi. C'est bizarre. Je ne savais pas que ce genre de mec peut avoir des petites copines. Je pensais qu'ils essayaient de s'en faire le plus possible. À mon avis, Camille a couché avec Grégory et elle croit qu'ils sont ensemble. Et ça lui plaît pas que Grégory tourne autour de moi. Ok, je vois. Mais là, je ne sais pas comment t'aider.
Moi non plus. Enfin, tu peux pas passer à la maison, je dois te parler à quelqu'un. Non, y a pas de souci, je vais arriver. Ok, merci. Je viens voir Laura, elle a demandé que je passe. Oh, je ne savais pas. Ok, prends. Je crois que c'est elle. Je Bonjour. Oh. Hola. Et qu'est-ce qui va pas? Rien, Sophia, j'ai juste besoin de toi. Viens. Ok, ben, je vais dans ma chambre. Je vous laisse le salon pour vous. Tu as l'air terrifiée. Oui, j'ai peur. J'ai jamais eu affaire à ce genre de situation. Je me suis jamais battue. Attends, je mets ma main à couper qu'elle ne verra pas tout. Tu crois? Je suis sûr et certain. De toute façon, si vraiment il y a un problème, je suis là. Maintenant, tu fais un art martial. Tu leur montreras à quel point tu es violente. Moi? Violente? Mais non, je caresse les raquettes. Mais ben heureusement pour moi que tu caresses pas ma main comme tu caresses les raquettes. T'as pas l'air d'aller bien, Laura. Bof. Qu'est-ce qui se passe? Bah hier, j'ai encore reçu des messages de Camille. Encore elle? Mmh. À propos de Grégory, je suppose. Ouais, elle dit que si j'arrête pas de tourner autour de lui, elle va me faire payer. Mais aujourd'hui, tu n'as pas encore vu? Non, j'ai pas encore vu Grégory. On doit te laisser tranquille. Ouais. Enfin, je vais aux toilettes. Je reviens, ça va? Ok. Elle t'a raconté quelque chose? Non, elle est pas bien. Pas bien? Laura, comment vas-tu? Lâche-moi. Tu sais qu'on fait la promesse. Oh, lâche-moi, tu m'énerves. Laura, quoi? La prof de gym doit te voir dans la salle à la fin des cours. La prof de gym, j'ai fait quoi? J'en sais rien, elle va juste te voir. Ok, merci, de rien. Les gars, par contre, je vais vous laisser, t'arrives à la preuve de venir me voir. Maintenant? Ouais, je sais pas pourquoi. Mais tu veux pas comprendre? Non, ça va aller, allez-y. À tantôt. Déjà. Tantôt. Je sais pas pour toi, mais je trouve ça louche. Plutôt étonnant, mais pas impossible. Du fait qu'elle est harcelée par Camille, je trouve ça bizarre. On peut l'attendre si tu veux. Ouais, on va faire ça. On va attendre. Au pire, je me fais des films. Ça va. Madame, vous êtes là? Madame?
J'ai dit de plus tourner autour de Grégory, mais apparemment t'as pas compris. Ça veut dire quoi? Que je vais devoir t'expliquer autrement? Camille, j'ai rien à voir là-dedans, c'est tout le temps lui qui vient me trouver. Comme tout à l'heure, vous étiez bien proches l'un de l'autre pour une qui n'aime pas mon mec. Il s'est rien passé, on n'a pas trouvé, mais pas moi. Menteuse, tu vas voir ce que c'est que tu as avec moi. Je devrais déjà être ressorti, il se passe quoi? C'est vrai, ça fait vachement longtemps. Je vais voir. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Laura! Il s'est passé quoi? C'est Camille, elle m'a tendu un piège. Comment elle est debout? Ça va? Je reviens pas qu'elle t'ait tendu un piège pour quelque chose que t'as pas fait. Mais j'arrive pas à lui faire comprendre, je désespère. Si on n'arrive pas à lui faire comprendre, alors faudrait le lui prouver. Mais comment? T'as une idée? Non, j'en ai pas d'idée, pas pour l'instant. J'en ai une. Je vais lui en parler. Toi? Arrête, tu n'arriveras à rien. Bah oui. Bah, j'avoue, c'est pas parce que tu vas aller la trouver que tu vas s'arranger. Oui, arrête. Il faut essayer. Non? Arrête. C'est vrai. Ah non, et Laura, elle s'est blessée toute seule peut-être? Elle s'est trébuchée! C'est pas ma faute à moi si elle sait pas marcher! Je ne le répéterai pas, ne la touche plus! Elle a rien fait, c'est Grégory qui tourne autour d'elle et pas l'inverse! Et vu comment elle s'y prend, il y arrivera pas! Elle ment, je l'ai vu tout à l'heure! Pour une qui dit ne pas aimer mon mec, elle tournait bien autour de lui tout mais à l'heure! Mais t'inverses tout! Mathéo, dégage ou je crie? Tu cries? Et pour faire quoi? Mathéo, arrête, non, tu ne me plais pas! À quoi est-ce que tu joues? Je ne te touche même pas! Au secours, il m'a violée! Ah, au secours! Arrête! Camille, qu'est-ce qui se passe? C'est Mathéo, il a commencé à me pousser, il m'a menacé! Je savais que t'étais puceau, mais s'en prendre aux filles, c'est pas bien. Faut pas que tu la croies. On va lui faire comprendre qu'on ne touche pas aux filles. Alors, tu réfléchiras à deux fois avant d'agresser une fille, sale puceau. Tiens ça. Merci. Je suis désolé de ne pas être intervenu au bon moment. Tu n'y as pour rien. Déjà que je vous avais demandé de partir et que vous êtes resté. Ouais, je trouvais cela bizarre. Avec tout ce qui vient de se passer, j'avais eu un mauvais pressentiment. Mmh. Heureusement pour moi. Et sinon, ta sœur, elle n'est pas ici? Non, elle est chez une copine, mais elle ne va pas tarder à rentrer. Mais merci d'être là, comme ça pour moi. Mais pourquoi tu m'aides comme ça? Ben, c'est normal que j'ai une amie, non? Une amie? Ok. Une amie avec qui je suis un peu plus proche. Oui, disons plutôt ça.
Coucou, comme... ça va? Oh, bah pour moi tu vas bien, mais pour Laura... Il s'est passé quoi? Rien, Sophia, ne t'inquiète pas, tu vas bien. Tout va bien? Tu rigoles? Mais t'as vu dans quel état tu es? Elle a eu des problèmes avec une fille. Et quel genre d'ennui? De la jalousie. La fille en question croit que Laura sera avec un garçon. Du coup, elle n'a pas apprécié et s'en est prise à elle. Tu sors avec ce garçon, Laura? Ah, bien sûr que non. Et pourquoi tu lui dis pas que tu sors pas avec? Mais tu crois que j'ai fait quoi? J'ai beau lui dire, à part dire que je mens, elle me croit pas. Puis c'est tout le temps lui qui vient vers moi. Bah, y a pas 36 solutions. Moi, je vais le dire aux parents. Non. Et pourquoi? Attends. Un ami est allé lui parler tout à l'heure. Je suis sûr et certain qu'il n'y aura plus de problème. Ok, mais si ça recommence, moi je vais vraiment dire aux parents. Je suis sûre qu'elle n'aura plus de problème. À chaque fois que tu dis ça, ça s'empire. Oui, je sais, j'en suis pas fière. Mais arrête, c'est pas ta faute. Je sais bien que tu essayes de me rassurer et j'aurais fait pareil pour mes amis ou mon ami proche. Oh, mais malgré tout, ça me fait super mal de te voir dans cet état. C'est pas ta faute, tu n'y es pour rien. Et puis, je suis contente que tu sois là pour moi. Alors, tu as réussi à lui parler? J'ai surtout réussi à me faire tabasser. Quoi? Oui, j'ai rattrapé Camille, elle était toute seule. J'ai essayé de lui expliquer, mais au lieu de cela, elle a commencé à simuler que je voulais l'agresser et je voulais la violer. Grégory et ses amis étaient pas loin et m'ont tabassé. Oh, merde. Ça va, toi? Ça va. Je suis pas trop amoché. Mais je dois te laisser. Je dois manger. Ok, bon app. À demain. À demain. Alors, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, tu avais raison et j'avais tort. Quoi? Mathéo s'est fait coincer par Camille. Quoi? Elle a commencé à simuler une agression et Grégory n'était pas là avec son pote. Ils l'ont tabassé. Quoi? Et il va bien? Il dit que ça va. Écoute, Laura, je dois te laisser. Mets-toi à la maison. On se voit demain? Ok. Demain? Comment te sens-tu? Ça va, pas trop mal. Je sens encore les coups d'hier, mais ça va. Mais c'est incroyable que Camille aille simuler une agression. C'est grave. Mais que veux-tu? Oui, j'aurais dû vous écouter hier et m'abstenir, mais... Mais elle ne veut rien savoir. Elle ne veut croire que ce qu'elle a envie. Désolé, donc. Bah, tu n'as pas à t'excuser. Tu as voulu m'aider. C'est plutôt à moi à m'excuser de t'avoir mis dans une telle situation. Mais non, c'est... J'ai voulu essayer. C'est... Tu n'as rien à voir. Malgré tout, je suis sûr et certain qu'il irait mal lui faire comprendre qu'il n'y a rien entre toi et Grégory. J'en doute. Après ce que j'ai reçu hier, c'est des cas désespérés. Il faudrait que l'on lui prouve. Vu qu'elle ne veut croire personne. Autant tenter un dernier coup. Et c'est quoi cette dernière carte? Non mais je rêve ou quoi? Vous sortez ensemble? Non, pourquoi? Vous venez pas de vous voir, vous vous dévorez des yeux. Mais arrête de dire des conneries! Je la regardais à faire deviner ce que je pensais. Ça va, pardon, excuse-moi. Enfin, on peut arrêter de parler de ça et se concentrer sur les vrais problèmes? Mais on parle de ça. D'ailleurs, je serais curieux de savoir comment aurait réagi Grégory s'il vous avait vu vous regarder. J'ai une idée. Camille, elle nous voit? Non, mais ça ne saurait tarder. Et Grégory, il est où? Ça, je sais pas. Mais... Qu'est-ce que vous attendez pour être proche? On l'est. Vous l'êtes? Tout à l'heure, vous vous dévoriez du regard, et maintenant, c'est à peine si vous regardez. On est censé faire quoi? Bah, j'en sais rien, vous n'êtes jamais sorti avec personne, non? Voilà,
Je peux savoir ce que t'as fait pour vous rapprocher? On se tient la main. En dessous de la table? Bah... C'est sûr qu'avec ce rapprochement, tu risques de te faire casser la gueule, Lucas. Quoi? Tu vas vraiment te faire casser la gueule, Lucas. Et merde. Et Camille, elle nous a vu ou pas? Camille? Oui. Maintenant, j'aimerais bien savoir quel mensonge elle va inventer. Elle ne serait plus mentir face à ce qu'elle a vu. C'est pas sûr, hein. Tu tournes réellement autour d'elle? De quoi tu parles? Laura, elle te plaît? Tu veux t'amuser avec elle? Arrête de t'emballer, j'ai rien fait. J'ai vu comment tu la regardais, me prendre pour une conne. Tracasse pas, c'est pas elle que je regardais. Bah oui, c'est ça, j'ai rêvé. Je t'avais pas vu. Attends, je suis là. Ah, tu fais gentil maintenant. Je suis toujours gentil avec toi. Vite, j'y vais. Salut. On ne devinerait jamais ce qui va te se passer. T'es devenu ami avec Camille. Avec Camille, t'es dingue ou quoi, non? Oh, dommage. Non, Grégory m'a bousculé, il a fait tomber mes affaires par terre. Ouais, ça c'était la deuxième proposition. Ouais. Ok, et il s'est passé quoi? Et en plus de ça, il m'a aidé à les ramasser. Il a ramassé toutes tes affaires? Incroyable, hein? Pas du tout. Enfin, soit, on se voit tout à l'heure au Viette. Ouais. Okay. Ok, ça va. Bah, je vous laisse, ma mère est là. On se voit là, bisous. Ok, ouais. Tantôt. Oh, elle est pas là? Non. Je pensais qu'elle serait venue avec toi. Moi? Moi? Elle m'a même pas prévenu qu'elle ne venait pas. Étrange. C'est elle pourtant qui nous a demandé si on venait. Oui, c'est ça. Elle sera peut-être en retard. Ou alors elle a eu un empêchement. Ouais. Bon, on fait quoi? Ah, je termine de m'étirer pendant que tu te changes. Tu seras. Ton geste, ça m'a sonné. J'ai entendu.
Je vais voir. En attendant, tu continues de t'étirer. C'est Laura. Elle demande que je passe demain à l'entrée de l'école. Pareil que c'est important. Et tu sais de quoi elle veut te parler? Non, mais son message, il fait stresser. Hein. Parce que tu sais pas de quoi elle veut parler et tu as peur que ça te retombe dessus. Ouais, je vois. Et le pire, c'est quand elle met un smiley à la fin pour dire genre tout va bien alors que c'est l'inverse. Mon ami, hein. Qu'est-ce que tu lui as fait? Je sais pas, rien. C'est peut-être à propos de Camille, alors. Peut-être. Oh, c'est bon, laisse tomber. Écoute, on va faire un exercice. Ouais. Je t'attaque. Et toi? Tu te défends? J'attaque maintenant. Merci d'être venu, Lucas. Grégory, tu fais quoi ici? Tu vois, je suis le genre de personne qui, quand il aime une fille, aime bien l'avoir règle pour lui. Mais toi, tu la dragues. Je vous ai vu hier en train de vous tenir la main. Et Camille? Camille, c'était juste avant coup, en fait. Mais elle pense que vous êtes ensemble. D'ailleurs, elle croit que Laura te drague et elle n'a pas arrêté de chercher des problèmes parce que tu tournes autour d'elle. C'est pas mon problème, ça. Par contre, toi, t'en as un gros. Moi? Save it!
Salut. Ça va? Ça pourra aller mieux. Pourquoi? Hier, j'ai reçu un SMS de ta part. De ma part? Tu me demandais de te rejoindre aujourd'hui à l'entrée de l'école. Tu voulais me voir. J'y suis allé. Je me suis fait crosser par Grégory. Tout seul. Il n'a pas apprécié le fait qu'on se tenait la main au réfectoire. Et qu'est-ce qui s'est passé? On s'est battu et j'ai eu le dernier mot. Mais pendant qu'il était par terre, j'ai fouillé ses poches pour savoir s'il n'avait pas un truc à cacher. Et j'ai trouvé ton GSM. J'aimerais bien savoir comment il a réussi pour avoir ton GSM. Bah justement, je ne sais pas. Hier, je l'avais perdu. Et ma mère m'a engueulée, c'est pour ça que j'ai pas pu venir aux Viettes. Mais je pense que quand il m'a bousculée, il l'a pris furtivement. Ça paraît logique. Ah oh bah ouais, d'un coup, ça a du sens. On a de la compagnie. C'est donc ici que vous vous entraînez? Je dois avouer que c'est grand. T'as vu? On a enlevé nos chaussures avant de monter ce tatami. Lucas, je vais te lancer un défi. Quoi comme défi? Un combat. Nous deux contre Mathéo et toi. Les gagnants remporteront. T'as perdu ta langue ou pas? Ok. Ok? Je suis quoi moi pour toi? Un objet? Un trophée? Tu joues à quoi là? Si c'est le seul moyen pour qu'il arrête. Et si tu perds? Écoute, mets-toi sur le côté, s'il te plaît. Lucas, tu viens de faire la plus grosse erreur de ta vie. Ça va? Ok. Je suis désolé, je ne savais pas quoi faire. Je voulais que ça s'arrête. Je comprends, mais ça m'a quand même fait mal. Je me suis sentie comme un objet. Je suis désolé, c'était pas du tout mon intention. Oui, mais bon, avec tout ça,
Tu es un monde. Pardon? Tu as très bien compris. C'est moi qui ai battu Grégory. Donc tu es à moi. Ok. Là, je me sens vraiment comme un vulgaire objet. On y va? Ouais. Cool que tu sois là. J'ai besoin d'affection. Connard. J'en ai marre de me faire casser la gueule par les filles. Tu l'as pas volée, celle-là. Mathéo, je suis désolée pour ce que je t'ai fait. Je sais que tu me pardonneras jamais. Je sais pas comment t'as pardonné. C'est vrai qu'à un moment, je t'ai trouvé désespérante. Mais je suis content que t'aies vu la vérité. Pour que j'accepte tes excuses, faudrait déjà que tu fasses le pas. Tu veux le pas. Le genre de pas qui fait conclure une relation. D'ailleurs, pour te faire pardonner, ça te dit d'aller boire un verre demain? Ouais, ça me va, pourquoi pas. Oh, tu prends laisses pas là. Les demoiselles d'abord. En tout cas, j'ai bien fait de t'avoir foutu dans la merde. Grâce à ça, j'ai droit à un gentleman. Oh, désolé. Non, ça va, c'est cool. Oh, tu as ouvert la porte à Camille? Ouais. Et demain, on va boire un verre ensemble. Attendez, je prends mon temps. Eh ben, tu fais pas les choses à moitié. Toi aussi. Ah, au fait, Mathéo, demain, c'est à quelle heure? À 15h au pub. Ok, ça marche. À demain, alors. À demain. Vous partez maintenant? Quoi? On peut faire un cinéma? Ouais, pas de soucis. Pourquoi pas? Ah, mais moi d'abord, je vais me changer. Ouais, okay. Moi, pareil. On se voit là-bas alors? Ouais, dans une demi-heure. Ok, ça va. Allez, tout à l'heure. Tout le monde qui me regarde serait pas assez.
j'ai rien fait. Elle s'est trébuchée, c'est pas ma faute à moi si elle s'est pas marchée. Je ne le répéterai pas, ne la touche plus. C'est pas sa faute. Non, c'est pas ça. Je te le répéterai plus, ne la touche plus. Si jamais... Une personne qui me surprenne, qui soit pas avec lui-même, qui ait confiance en lui. Cut! On est censé faire quoi? J'en sais rien, moi. Vous avez quand même déjà eu des copines? Non. Je pensais qu'il couchait avec plusieurs filles possibles. À mon avis, Mélanie a... Je pensais qu'il couchait avec le plus de filles possibles. Bah à mon avis, Camille et Grégory ont couché ensemble. Non, je recommence. À mon avis, Camille a couché avec Grégory et elle croit qu'ils sont ensemble. Et maintenant, je recommence, putain. Bah, je sais pas, moi, c'est bizarre. Je ne savais pas que ce genre de mec pouvait avoir de petites copines. Ah, putain, je sais pas, moi, c'est bizarre. Je ne savais pas que ce genre de mec pouvait avoir de... Oh, putain.